Shalom, shalom, frères et sœurs. Bonjour. C'est encore une grâce de nous retrouver aujourd'hui, ce matin, dans la présence de notre Père, dans la présence de notre berger. C'est une grâce de nous retrouver entre brebis, entre fils et filles d'un même Père. Alors nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. En ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que nous passons en ta présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce canal Radio Miséricordia, Seigneur, que tu utilises pour nous bénir, pour nous faire du bien, Seigneur. Merci pour le don de la vie. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette grâce de te connaître, de te prier, de te chanter, de te louer. Merci infiniment, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons déclarer que l'Éternel est notre berger. Et parce qu'il est notre berger et parce que tu es notre berger, Seigneur, nous ne manquerons de rien. Nous n'allons pas souffrir. Nous n'allons pas nous lamenter, nous n'allons pas être dans la tristesse. Il n'est pas question que nous soyons dans les soucis, parce que tu es notre berger, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons proclamer cela. Nos âmes veulent proclamer cela, nos bouches veulent proclamer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car le Dieu qui est dans les cieux est mon Père. Il sait ce dont j'ai besoin et il me donnera ce dont j'ai besoin. Il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui m'a consolé quand j'étais dans la tristesse. Il est le Dieu qui a restauré mon âme quand mon âme était dans la peine, quand mon âme était troublée. Il est le Dieu qui a pourvu à mes besoins quand j'étais dans le manque. Il est le Dieu qui m'a guéri quand j'étais malade. Il est le Dieu qui a essuyé mes larmes quand je pleurais. Il est le Dieu qui m'a tout simplement fait du bien quand j'en avais besoin. Il est le Dieu qui est mon ami quand j'étais dans la solitude. Alors je ne souffrirai point. Je ne serai jamais dans la tristesse. Je ne serai jamais dans le trouble. Car le Dieu qui est dans les cieux, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu d'Abraham, c'est mon papa. Amen. Nous allons déclarer cela ce matin. Amen. C'est mon papa. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proclamons-le, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Je n'échouerai jamais, moi je n'échouerai jamais, je ne je n'échouerai jamais, je ne manquerai de rien. Je ne sombrerai jamais, moi je ne sombrerai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui me bénit, c'est mon papa. Le Dieu qui me bénit, c'est mon papa. Baby.
tirer de la force. Oh, le Dieu qui pourvoit pour moi, c'est mon papa. Le Dieu qui pourvoit pour moi, c'est mon papa. Le Dieu qui me pardonne, c'est mon papa. Il pardonne toutes mes fautes. Qui me purifie, le Dieu qui me purifie. Alors déclarons-le, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Je proclame ce matin que la grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie, mon frère, ma sœur. Je proclame que tu n'échoueras jamais. Je proclame que tu seras toujours à la tête et non à la queue. Que le succès et la prospérité sont ton partage. Je proclame que la guérison est ton partage. Je proclame que toi qu'on a longtemps insulté, que tu seras bientôt élevé dans l'environnement où tu te trouves. Tu seras bientôt acclamé, tu seras bientôt prise pour exemple. Tu seras bientôt pris comme un exemple de foi. Je proclame que tu seras toujours devant. Que tu seras toujours devant, tu seras toujours victorieux, victorieuse. La victoire de notre Dieu est ton partage. Amen. Alors aujourd'hui également, l'Église fête la chaire de Saint-Pierre. Nous allons porter le pape en prière, notre Saint-Pape. Nous allons porter l'Église, les prêtres, les évêques, les diacres, les religieux, les religieuses, toutes les personnes qui sont à la tête de l'Église. À travers un Ave Maria, nous allons prier pour eux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous te confions tous les pasteurs de l'Église. Nous te confions ton Église que toi-même tu as instituée, afin que tu les fortifies, que ton Église demeure ferme, Seigneur, et que toute gloire te soit rendue. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et que Dieu nous bénisse.